Bonjour à toutes et à tous, ici Megalodon 6 de 6. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de Far Cry Blood Dragon. Je sais, c'est de la merde l'accent que j'ai fait, mais bon. Ou bien faire genre et tout, c'est cool. Bon, je suis désolé si vous voyez toujours le machin Xpeak Gamecaster. Donc bah, je pense que si vous avez au moins un peu d'intelligence, vous auriez pu deviner que c'était le logiciel que j'utilise pour faire mes vidéos. Donc la dernière fois, on s'était laissé ici en ayant libéré Scan, etc. En ayant découvert que cette merde là, enfin cette merde, plus tard ça me sera utile, mais ça, comme vous allez voir, le constater, c'est les armes et compagnie. Le problème, c'est que je suis obligé de faire avec entrée, etc. Donc la dernière fois, j'avais un cache-flamme, j'ai débloqué un cache-flamme et le silencieux que j'ai équipé. Le problème, c'est que j'ai pas regardé où était ce putain de cache-flamme. Donc excusez-moi, un peu de recherche, non. Galera, non. Cabroc, non. Arc? Non. Bon, bah je ne sais toujours pas où est-ce que c'est. Donc, la dernière fois on nous avait demandé d'aller nous rendre au barrage, mais moi j'ai pas envie. Donc je vais aller voir ce que c'est que le point d'exclamation là-bas. Je m'en bats les couilles. Oh, j'avais oublié. Tu m'as vu? Tu m'as vu, ok. Première fois que j'énerve un dragon de sang, je pense que je ne le recommencerai jamais de toute ma vie. Tu vas me suivre, connard? Non. Voilà, c'est bien ce que je me disais, t'as pas de couilles, trouillard. Voilà. À se cacher dans ton coin. Je t'embêterai pas, je suis désolé. Oh, c'est quoi ça? Attendez, j'ai vu un truc. Attends. On va prendre le Phaserton. J'ai vu un truc bouger là-bas. Et pas, c'est où le dragon? C'est quoi ça? C'est un tigre? Non. Oh oh. Attends. Viens, petit tigre. J'ai un cadeau. Regarde. Comment il s'appelait déjà le tigre dans Winnie l'ourson là? Tigris, un truc comme ça? On va jouer à la balle. Attrape! Il est pas mort. Il est pas mort. Je m'en fous, je vais te chasser. Ça va être de la chasse au tigre pour cet épisode. Ils vont aller à mon camp? Ah non, ils reviennent, ils font demi-tour. En fait, il y a un espèce, je crois que c'est un barrage. Ouvrons l'œil. On va faire parler la poudre. Ça l'a déjà parlé la poudre, t'inquiète pas. Oula. Mais en fait, il y a toute la prairie qui prend feu là. C'est pas cool. Hop, on se couche. Qu'est-ce qu'ils disent? J'arrive pas très bien à comprendre. Est-ce que moi je pars de bien avant? Ok, non, c'est bon, il est bien activé le micro. J'ai vu un truc rouge là-bas. Enfin, sur la map. Non mais, il te faut combien de balles, connard, pour crever? Ah bah nickel, il l'a bouffé. Et hop, t'as une pierre de coup. Ah ouais, la même. Ah ok, d'accord. Ah, oh, d'ailleurs j'ai mis une tête alors qu'il était dans la Gatling. Donc, comme vous... Ah, fait chier. Voilà, connard. Je pense que ça doit être bon maintenant. Bon, comme je vous le disais dans le dernier épisode, on a pu remarquer que les cœurs étaient très, très, très utiles. Car si t'as pas vu le dernier épisode parce que t'avais pas le temps, j'ai récupéré quoi là? Animaux tués 2 sur 12. Il est où le tigre? Il y en a un autre, il est là. Genre à quoi il ressemble? Ah, c'est des espèces de tigres blancs. Genre, j'ai récupéré 9$ sur le tigre, Ender. Bon. Ce véhicule est inutilisable. Par contre, celui-là. Oups. Interagir. Siège pilote, s'il vous plaît. C'est quoi ça là-bas? J'ai envie d'aller voir. Oula oula.
M'en fous, je tue tous les animaux que je vois. C'en est là-bas? Ah oui. Là-bas, des animaux! Ils sont pas morts. Ça, c'est un animal, ça aussi. Bon, désormais, ils ne sont plus. Bon, je pense qu'on va descendre. Voilà. On va s'équiper juste du pistolet, vu que maintenant il a un... Je l'ai équipé d'un silencieux, donc ça devrait être plus rigolo, les phases d'infiltration. Parce que la dernière fois, j'avais fait une mission d'otage. Et putain, mais c'est con, en fait, ils sont bouchés du cul, parce que j'avais lancé des 20 dés sur la gueule d'un gars. Il avait toujours rien remarqué. Donc... Encore un tigre, génial. Il réagit à quoi, lui? Les deux, ils réagissent? On dirait pas. Je le laissais tranquille, il m'a rien fait pour l'instant. Je touche le cul du sanglier et je récupère 4 dollars. C'est un délire, les sangliers. Attends. Il écrit suck. Il a écrit suck. Par contre, c'est un beau bébé, hein, le sanglier. Il a écrit suck sur les sangliers. Ok, le jeu. Oh là là, trop fort. Par contre, il y a eu des explosions, je crois, ou des tirs. Les deux autres, ils se sont barrés. Ils se battent contre quoi? Ah, c'est un... Allez hop, je te coupe les couilles. On m'a fait un doigt. Alors je lui en ai rendu ça. C'est quoi ce truc? C'est un jaguar de plasma ou quoi? Ouah, les animaux de ce jeu, ils sont bizarres. Entre sur les sangliers ou les crisseux, les tigres qui sont gigantesques, tout comme les sangliers, et les guépards qui ont l'air en diamant. On peut dire que j'ai le cœur sur la main. Pardon. En même temps, je sais pas si vous arrivez à entendre, mais... Putain, mais laisse-moi. Chiné. Non. Oh mon dieu, la saloperie immonde que c'est, les tigres. J'espère que je pourrai les envoyer sur les mecs. Hein. Putain, c'est horrible. C'est costaud comme tout, cette... Maintenant, je me méfie des animaux. Laissez-moi tranquille, je vous laisse tranquille. Voilà. Encore des flèches, génial, ça va faire des cœurs dents pour les dragons de sang quand ils vont me bouffer. Maintenant, eux utiliser. Méga bouclier désactivé. Oh. Méga bouclier désactivé. Où ça? C'est chez qui que j'ai désactivé? C'est juste ici? Non, quand même pas. Je prends ça. Ça, je peux rien faire avec. Ça, c'est quoi? Objet récupéré, cassette, VHS1. Bon. Je sais que je m'éloigne de mon objectif, mais j'ai envie de voir c'est quoi ça là-bas. Je sais pas ce que c'est, mais c'est long, ça a intérêt d'être bien. J'essaie de lui lancer un dé dans la gueule. Vous croyez qu'il va m'attaquer? Test. 1-2. Il m'attaque. Voilà. Il a hésité. Il aurait pas dû. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est bête. Mais je suis sûr qu'il... Quelqu'un sait. Donc si vous pouvez me l'écrire dans les commentaires, j'ai bien envie de savoir. En tout cas, c'est moche, j'aime pas. Bon, non, on va pas prendre la voiture, c'est nul. Ça, je peux rien faire avec. C'est cool, ça, par contre, le fait d'avoir grenade infinie. Allez, plus haut. Ah, enfin!
Ah putain, ça c'est un lanceur de molotov, il est mort. Le bouquet final. Ouais. Est-ce que tu la prends dans la gueule, toi? Oui. Oh, comment il vole. Ok, lui, je vais l'avoir au corps, au corps, au corps, au corps. Et dans ta gueule. Je vais venir te border dans ton lit mort quand tu seras enseveli sous 2 mètres de merde. Oh, je sais pas si vous avez entendu, je pense que oui, mais c'est violent ce qu'il dit. C'est saloperie, ça, hein, c'est putain de molotov. Bon, nickel, des balles gâchées. Génial, j'en ai plus que 3 maintenant. Je suis pas le mec le plus intelligent, comme vous avez pu le remarquer. Et certains diront même que je suis un crétin. Ah, si, en fait, j'ai bel et bien des grenades, j'ai pas vu le compteur qui était à droite. Rejoignez le barrage. Ça, c'est pas le barrage, ça, c'est des rhinos, c'est... Wouhou, putain. Eh, il trace, hein, le pépère. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. J'avais vu des mecs en rouge, là-bas. Ils sont où? Et quoi, là-bas? Oui, je papillonne beaucoup, je vais pas directement... Bon, à l'objectif. C'est moi, j'en ai entendu un dire putain de merde. C'est un dragon de sang, ça là-haut. C'est un dragon de sang. Ok. Couché, hein. Gentil, gentil, gentil. Je te veux rien. Merde, j'espère qu'ils vont pas me faire ramasser des drapeaux. Attends, mais il descend là. Qu'est-ce qu'il attaque? Je sais pas, mais je pense que je vais le laisser tranquille. Il dort? Va chercher. J'aime pas du tout cette musique. C'est bon, ok. That ass bitches. Cybercœur aussi, nice. Pas besoin de lui mettre la main au cul pour choper les murs. Ok, il a l'air de s'être éloigné, ça a l'air bon. Oups, je me suis trompé, je me suis accroché. Et je pense que j'ai bien fait. Allez, dégage. Dégage. Attends, il... Ok, d'accord, en fait, merde, il mange les cadavres. Ok, donc on se casse en vitesse. Ok, donc là-bas, il y a des gugus. Des gugus, tout ce qu'on aime, nous, c'est... Ah, enfin, j'ai réussi à attendre le petit truc. Il y a des tirs en haut. Putain, le cybercommandant, il a pas de force. Hein. Ça touche? Ça touche pas. Allez, touche! Ok, normalement, ça touche. Ça, c'est un travail détonnant. Ouais. Voilà. Ça devient intéressant. Oh oh. Ah oui, mais non. Cadeau, les gars. Attends, au revoir. Voilà. Aïe. Ah, mais je prends des doudans en fait. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. On grimpe, on grimpe, on grimpe. On oublie les autruches là. Voilà, tac. Touche le pied. Voilà. Enculé. Il l'a dit pour moi. Voilà, crève, charogne. Oh, comment? Normalement, je le touche là. Non. Oh, on va tester les PC4. Non, j'ai clairement pas la portée pour le C4. Non, je récupère. Ah, le C4 par contre c'est plus efficace. Oulalalala, comment je fais pour Ok, faut dégager, ça prend feu, ça prend feu. Au passage, on va se soigner un petit coup, voilà. Et on va repasser en... pas le pistolet vu qu'il a quasi plus de balles, on va y aller au Galeria. On va les faire galérer. Blague de merde.
Bon, pardon, hein, mais pour cet épisode, j'ai pas grand chose à dire, donc. Sauf si vous m'écrivez des commentaires sur lesquels on pourrait parler, connard. La place du mort. Fais le mort. Ah, ok, d'accord, c'était ça la mission, fallait que j'aille au barrage, donc c'est le barrage, ça. Ok, bon, bah j'y vais de ce pas. En sautillant gaiement. Tac, tu es au barrage. Ouais. Putain, c'est grand. Ah ouais, j'avoue. Chaque installation a ses propres générateurs, mais sans le barrage, Sloan ne pourra pas maintenir ses opérations à plein régime. Alors on va faire sauter tout ça. Okay. Je fais comment pour je vous envoie les coordonnées d'un stock de C4000 suffisant pour fissurer le barrage. Ah. Et le réservoir compromettra le système de refroidissement du réacteur. Aïe. Objectif, récupérer le C4000. J'ai double saut ou... Ah, une grotte. Parce que... Aïe, ça c'était mon cul cybernétique. Qu'est-ce que c'est? La Terre, le C4000. À tout faire péter. Colonel parlait de Darle. Vous avez sauvé mon équipe et moi, après avoir endommagé les réacteurs nucléaires de la centrale hydraulique. Je me rappelle pas grand-chose de ma vie d'avant. Je me vois jouer enfant, je vois mes parents. La deuxième guerre du Vietnam. Pardon. Bonne chance, Rex. On compte sur vous pour nous sauver à nouveau. Putain, et là, ça me fait chier parce que. J'ai... Objectif, aller au barrage et placer les explosifs C4000. Putain, je te vois là-bas. Il y a deux gugus en bas. Meute cybernétique détectée. Les robots chiens peuvent vous sentir, même en mode furtif. Ah, ok. Des chiens. Utilisez les dés pour éloigner les robots chiens de votre position. Voilà, il va chercher. Tu vas entendre le truc. Shuriken. Oh yeah. Oula. Pourquoi ça... On dirait qu'on a tiré une balle à côté. Bizarre. Ils sont où les toutous là? Laisse-moi te chaparder toi. Laisse-moi te chaparder. Merci. Les toutous cybernétiques. Je me demande ce que ça va donner, ça va être rigolo. T'as entendu? Il y a un bruit là. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien, mais de... Oh, l'attaque! Non, mais c'est une blague, putain, genre je l'ai loupé. Bon, là, j'aurais bien aimé avoir un silencieux sur le snipe. Mais du coup, j'aurais pu l'éviter tranquille. Ils sont où les chiens? Enfin, non pas que je veux les voir, mais... Surtout parce que je... Je flippe un peu. Et hop. Ah, c'est rigolo. C'est pour toi, Spider. Objectif presque terminé. Occupez-vous de l'autre faille structurelle. Attends. Est-ce qu'elle a dégrimpé? Je m'en fous un peu. Y'a rien ici, y'a rien ici. Le haut-parleur, il est où? On me dit qu'il y a un... Putain, c'est en haut en fait. Ah, va falloir que je prenne le fil pour grimper en haut. Ok, d'accord. Je vois ce que tu veux, qu'est-ce que je veux que tu fasses, Billy. Désolé, Loli. Non, les connards, ils m'ont fait super mal. Ok, d'accord, j'ai compris. C'est mort pour la furtive. C'est... Ah, je t'ai loupé, toi. Ok, lui, il est mort. Lui aussi. Putain, putain, le connard, il est venu me faire un câlin. Moi, je t'aime pas, moi. Attends, l'alarme. Ah! Et j'ai plus de nanos. Oh, je m'auto-guéris tout seul en fait.
On va continuer de s'autoguer. Waouh, c'est trop fort, j'adore. Dior. Non, le truc il est là-haut. Moi j'ai un truc à poser là-bas. Et c'est ça qu'ils ont activé, donc je le désappe. Wow, faut prendre un doigt à l'alerte, toi t'es fou. Ça c'est là qu'elle se réactive une deuxième fois. Ah, j'ai oublié de recharger. Bon bah on recharge. Hop là, deuxième charge. Mais non mais putain que je suis con, ça sert à rien. Non, faut aller là. Faut aller là. Là. Hop. Allez. Ok, d'accord. Bon. Tu sais quoi, tu veux pas te bouger le cul, Super Commando? T'es trop lourd, c'est ça? T'es trop fat? T'es trop métallique? Oui, en fait, oui. Bon bah tu sais quoi, on va prendre les escaliers alors si t'es pas content. J'espère qu'ils montent en haut. Et qu'ils descendent pas en bas. Bon. Je peux prendre ? Éteins-moi ce feu. Voilà, on recharge entre deux feux. Allez, 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 allez. Ok. Non, 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 non. Bon, première mort. Première mort. Cybercommando.exe a cessé de... On me remet au début de la mission. C'est une blague. Cybernétique détectée. Les robots chiens peuvent vous sentir. Ok. Là-bas, il y a un Gugus. Utilisez les dés pour éloigner les robots chiens de votre position. Voilà comment régler un problème. Accroupi, accroupi, accroupi. Non. Accroupi. Moi, oui, il est du bordel de merde. C'est un gros mot, ça. Là-bas, là-bas. Non, non, t'approche pas. Bon. Problème réglé. Je crois qu'en fait, le petit ping qu'on entend à chaque fois, on dirait que c'est leur arme qui explose. Parce que j'ai regardé, enfin, dernièrement... Tu veux pas, genre, regarder autre part, toi? Ok, nickel, je viens me faire chier plus que chaud. Je pense que... J'ai fait combien? Attends, je vais voir, parce que c'est des jeux de rôle. Oh putain, merde, j'ai fait 20 échecs critiques. Enfin, pour Cthulhu, hein, parce que Nailbug, du coup, c'est réussite critique, là. Oui, jeu de rôle, je connais jeu de rôle, je fais des jeux de rôle. Bon, pas... surtout en colo, en fait. Mais, putain, tu le marques? Merci. Donc, on pose la charge. Tu vas te fendre la gueule. Objectif presque terminé. Occupez-vous de l'autre faille structurelle. Putain, il vient me voir, il vient me voir, il vient me voir. Ok, il m'a pas vu. Là-bas, 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 là-bas. Enfin, je crois qu'il me tue parce qu'il m'a senti là. Ouais, c'est bien ça. Fait de l'occupation. Putain, en fait, à partir du moment où. Ah putain, ça y est, il est activé. Ah putain, c'est en haut qu'ils l'ont activé ou. Médor couché. Vilain Médor. Donc, ok, vu que c'est mort. Allez, venez, les enfants, voilà, c'est la fête au village. Voilà, ça c'est pour ta gueule. Ensuite, l'alarme là. On la désactive en lui faisant un doigt parce que c'est bon, ça va casser les couilles.
On place l'explosif. C'est pour toi, Spider. C'est pour toi, Spider, celle-là. Voilà, voilà, Molotov. On récupère. Voilà, voilà. Ensuite, ça, on récupère. Voilà, voilà. Tac, tac. Le chien, on va le chaparder aussi. Je vais avoir de la peau cybernétique, je pense. Je sais pas. Placer des charges, c'est qu'il y a dans... Ouais, ouais, ok. Ça, je sais. Alors, le lance. Le lance-flamme. Eh bien, viens mon gros. Aïe 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 aïe. C'était une très très mauvaise idée de faire ça. Ne reproduisez pas, cherchez-vous. Tiens, quoi? Non. Putain, tu m'as fait chier toi. J'ai récupéré ce hacker. C'est tout. Je me suis cassé le cul à tuer cet enculé pour juste un... Il me regarde? Oui. Je sais que c'est connard, mais bon. Au moins, c'est rapide. C'est net. C'est précis. Voilà. Oh. Ouh. Peggy 18, je pense, là. Oh, je prends les deux cœurs ou pas? Non, j'en prends. Oh, j'en prends 15, dommage. Voilà. C'est quoi la sodomie, les enfants? Apprenez. Ok, donc lui, là-bas, le casse-couille de sniper. J'ai un petit cadeau pour toi. On va voir lequel de nous deux a le plus gros. C'était moi, de toute évidence. Je te prends ça, ça te servira plus, je pense. Ça, c'est bon. Y a rien par là-bas? Si, y a une autre alarme. Oh, dans ta gueule. Ici, on a le droit à un Gugus qui m'a fait chier la dernière fois. Bonne nuit, petit prince. Petit prince, c'est pas un petit prince, c'est une petite merde, ouais. Donc cassez les couilles, ces connards. Bon, bref. On va grimper en haut. Bon, cette fois, fuck it, l'infiltre. On y va franco. Bon, allez hop. On monte l'échelle pour aller faire du kill. Toc, toc, toc. Est-ce qu'ils vont venir à moi? Venez les enfants que je vous en parle. Non mais... Voilà. Et la saucisse éclate. Et la saucisse éclate. Encore un cœur brisé. Ah, les histoires d'amour. Explosif C4000 placé. Prière de vous rendre à la zone de sécurité avant de déclencher l'explosion. Non, 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 non. Ok, c'est bon. J'adore ce jeu, je me retape toute une putain d'échelle. Pourquoi est-ce qu'il a juste pas voulu, genre, je sais pas, s'accrocher à la ligne qu'il a vue? Non, il voulait pas de ça, me casser les couilles. Bon, d'habitude, je rage pas beaucoup, mais c'est pour faire semblant, dirons-nous. Je peux pas, en fait. Non, je suis obligé de passer par les tuyaux. Non, on dirait. Allez. J'espère que ce nouveau C4000 est aussi efficace que ce bon vieux. Ah, j'ai oublié. Hein. Ah, et sur ce les amis... Non, je déconne, je fais pas le bâtard. Eh ben, waouh. On dirait, non? Doc, il y a un lézard avec des explosifs. C'était... On a retrouvé un des ingénieurs qui travaille sur le barrage. Il y avait des civils là-dedans. Mais... Je connais exactement leur... Oh, la tarte tombée. Oh là là, j'avoue, ça c'était trop classe. Voilà. Double ration de cyber lubrifiant pour tout le monde. Ah, je suis pas contre. Hein. Je suis vraiment pas contre. Hein. Une double dose de lubrifiant, je suis pour. C'est quoi ça? Ah, pour recharger mes explosifs, voler les balles. Ok, il faut surtout et absolument pas qu'il s'approche. Je veux pas genre juste mourir. Ok, c'est bon. Ça mérite un 9 sur 10. Un 9 sur 10?
Seulement, après toutes les balles qu'il a mangées dans la gueule, ce connard. Attends, il y a un petit coco en haut là. Et y'a plus de gorge. Non, il est pas mort de fatigue, il est mort de maman. De maman métallique. Hey, il est pas tranquille. Okay. Il le suit. putain, fais chier, moi j'aime bien tout. Moi. Aïe. America, motherfucker. Donc, je sais pas. Je suis pas très Gatling, moi en fait. Non, je suis pas très Gatling. Non, désolé. Ah, des munitions. Ça, c'est cool ça. Je dois monter ou. Oh bah tu me diras, je peux monter par ici aussi. Lancez un cybercœur sur les ennemis pour que les dragons proches les attaquent. Voilà pour toi. Il va venir le dragon de sang. Régale-toi. Attention, le nouveau bidon rouge et bleu vient d'être livré. Nous demandons à tout le personnel de faire preuve d'une plus grande vigilance à proximité. Leur utilisation est limitée au cas d'urgence médicale. Il se ramène ce con ou... Voilà pour toi. Non. Ok. Il a l'air de se barrer. Nickel. Ah, il va te faire bouffer par le dragon. Attends mais... Ah mais c'est... comment elle s'appelle sa reine d'Angleterre là avec son petit salut. Oh par contre, that ass bitches. Oh par contre je fais des coupures blanches. Sur les fesses. Oui, c'est dégueulasse, mais bon, c'est rigolo. Et il a déjà pris tarif quand même. Hein. On va faire parler la poudre. Elle a déjà parlé. Et quand est-ce qu'il aura un peu plus, je sais pas, de force? Non parce qu'en fait là faut être d'accord il en a pas hein. Il lance comme une fillette. Voilà. Ouais bon sang il se fait défoncer. Ok. Putain j'arrive pas. Bon, là voilà. Voilà. What? Il m'a one shot. Ok, d'accord. Alors, dans ce cas-là, c'est bon. Voilà, le dragon, il va se ramener. Lancer un cybercœur sur les ennemis pour que les dragons proches les attaquent. Voilà, ça. C'était un misclic de ma part. Mais genre, mais non. Non. Ok. Alors, par contre, je vais juste m'équiper. Bonjour. Non, justement, je vais pas m'équiper des molotovs, je vais m'équiper des grenades. Voilà. Et aussi au passage de la Gatling, hein. Voilà. Fuck you! Ah oh, putain, il est pas mort. Costaud. Bon, toi, t'es mort par contre. Maman, Meurs.
Putain, pardon pour les bruits, hein, mais... Ça fait du bien quand c'est mort. Ah, c'est bon, il n'y a plus rien qui me fait peur. Mouais, le communiste. C'est pour Spider. Ça aussi, c'est pour Spider. Spider. Voilà. Crever. Oh putain, j'ai plus de balles. J'ai plus de balles. Pousse. J'ai plus de balles. Pousse. Voilà. Donc, mon arme. Place de la Gatling. S'il vous plaît. Oh putain, fais chier. J'ai dit, mon arme. Voilà. On t'a coupé la langue. Non, ça a été la jugulaire qui a été coupée. Putain, mais il y a combien d'hélico? Retrouver l'ingénieur. Je le retrouve comment dans cette pagaille? Meurs, saloperie d'hélico. Y'a pas moyen que je sais pas, je... Y'a pas moyen que je tue le pilote. Putain, il te faut combien de balles pour que tu me foutes la paix? Voilà. Ok, donc après il y a aussi la technique rush. Non mais, finis. Voilà, oui, lui. Un médecin. Et... Ah putain. Enfin. Boom baby. Ça, on le casse, les munitions on les prend, voilà, j'en ai un peu besoin. Oula, c'est le bordel, faut pas que je meure. Merde, c'est chier. Boum. Oh putain, salut toi. Objectif terminé. Vous êtes le sergent Rex Colt? Non, à ton avis. Vous êtes une sorte de héros. Je suis pas un héros, je suis un simple cybercommando type 4 de l'armée américaine. Vous allez devoir m'escorter jusqu'au réacteur pour que je le coupe. Je ne suis pas un cyber soldat. Bien. Ensuite, extinction des feux pour Sloan. J'espère qu'avec 23 balles, ça va passer. Protéger l'ingénieur. Ah bah non, en fait, ça ira tout court. Munitions. La rentrée. Remplir l'inventaire. Oui. Voilà. Ensuite, dans mes armes. J'ai du nouveau? Non. Non. J'ai des balles explosives. Oh mon dieu. Tant de violence. Je sais pas si je les achète. Mais bien sûr, la question se pose pas, mais bien sûr. Voilà. Comment indiquer des mères? Voilà. Et ça m'a juste, j'ai acheté toutes les balles. Attends, c'est quoi ça? Medikit, vous avez crédit. $39. Oh le con, il les a oubliés. Ah bah oui, bien sûr, hein. Ce serait con que tu te froisses un ongle, connard. Pardon. Sans déconner, mais genre il me spot. Bon. Bah en bas ils sont tous morts, manque plus qu'en haut. Alors tac. Allez.
Allez, allez. Ah, j'en ai marre. Aïe. Hop, à couvert. Hop, on s'équipe du Fraserton. On vise, on tire. Elles sont où mes explosions là? Qu'est-ce que c'est que ça? T'es qui toi? Je sais pas, mais t'es mort. Tac 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 tac. Clac. Clac 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 clac. Oh putain putain, ça l'a pris. Voilà, connard. Vous ne protégez plus les hommes qui sont sous votre commandement, Sloan. Les plus forts peuvent se protéger. J'ai appris durant la guerre. Vous n'avez pas assez de couilles pour gagner. Tu crois ça? Le Canada en désert toxique. On n'est pas allé assez loin. Mais trouve au fiston. Je t'annonce qu'il va y avoir du changement, c'est moi qui te le dis. T'as raison, ta gueule sera entièrement criblée de métal. Je crois que si je viens de face et s'y attend. Par contre, si je le prends. Voilà. Voilà. Ensuite. Faut que je grimpe. Je pense que l'épisode risque d'être un petit peu long. Et que certains auront déjà déserté. Encore un lance-flamme. Nickel. C'est quoi, mon grand? Attrape. Éteins-toi. Hop, vite. Le bracelet, il marche pas. Un petit coup de chalumeau par-ci par-là, c'est bon. 3 barres de vie. Nice. Crève et fous-moi la paix. Voilà, dans ta gueule, connard. Boum 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 boum. Et un petit coup de chalumeau, un petit coup de chalumeau, un petit coup de chalumeau. Le deuxième, juste pour changer, connard. Donc encore le feu, voilà. On est en feu. Voilà. Et bon, vos cœurs vont m'enculer. Putain, qu'est-ce qu'ils sont durs à buter, les lanceurs de flammes là. Ok, alors vous par contre, je vais vous faire votre fête, les gars. Bon, ça va, l'ingénieur il est bien en vie, il est costaud. Ah bah nickel, il pense même pas à l'attaque. C'est mort. Je pense qu'il est mort vu ce que je lui ai mis dans le crâne. Vous savez quoi, Sloan? Votre méga force est une oméga farce. Nous verrons bien, Rex, qui est le cyberclone ou le cyberdieu. Et ben ce sera moi, j'ai déjà ma petite idée en tête. Mais toi, bientôt, tu n'en auras plus de tête. Oh. J'espère que c'était métal. Depuis quand t'as rafistolé avec mon programme de combat, la petite voix dans ta tête, c'est plutôt la tienne ou bien la mienne? Où est-ce que vous voulez en venir, Sloan? Eh bien, il y a peut-être plus de moi en toi que ce qu'il reste de ta personne. Ou peut-être as-tu peur que je ne t'ai pas donné une raison de tuer, mais seulement une excuse. Ça a marché! C'est le pont qui mène au noyau explosé! Allez! Ils sont arrivés au lac de refroidissement! Lâchez les cyber-requins! Oh, des requins, fais voir! Ils ont quelle tête? Je vais forcer les mécanismes oula. Provoquer la surcharge du bébé! Extinction des feux pour Sloan! Oula. Déjà faite celle-là! Extinction! À jamais! Ok, on y est presque, sergent! Oh! Je sens pas. Distorsion électromagnétique importante. Ah merde.
Je me sens pas bien là. Attends. Non. Je prends la sulfateuse à la place du bras. Vous devez forcer l'ouverture du bouclier avec la commande d'urgence subaquatique. N'oubliez pas, il y a des cyber requins en bas. Okay. Désengagez les boutons poussoirs subaquatiques pour être beau, si beau et drôle et ouvrir la sécurité. Oh là là, adieu Billy. Oh non. Je fais comment en fait là? Ils m'ont vu? On dirait pas. Allez, interagis. Ok. Tac, je trace. Y'en a un à mon cul. Allez. Objectif terminé. Rejoignez l'ingénieur et prenez sa main. Putain, ils sont nuls les requins en fait. Ok, c'est bon, je fais ton truc. Il ne me reste plus qu'à pirater le système et exposer le noyau du réacteur. Attention, parking interdit dans la zone marron. Parking 1, oui. J'ouvre hein? Les boucliers du réacteur. Ne laissez pas me tuer, ok. Ah, je me sens pas bien. Ah, je me sens pas bien du tout. Oh. Voilà. Ça fait un problème de régler. Donc en fait, c'est là-dessus où j'ai les balles explosives. Ah putain, évidemment. Amenez-vous et affrontez-moi, sale tadrouille. Putain, loupé. Genre, je l'ai loupé là, pourtant. Voilà. Non, je suis coincé. Et je prends sale douille, très sale douille. Tac. Je te présente mon petit copain. Boum. Boum. Ouais. Voilà. Vous avez réussi, sergent. Mais ça ne surcharge pas. Vous devez frapper le réacteur. Objectif. Frapper le réacteur nucléaire. Je fais comment? Je ne sais pas. Tirer. Non. Oula. Allez, boum. Voilà. Benji, non. Non. Je m'en suis sorti. Mais pas Benji. Désolé, Rex. C'était un type bien. Non, Doc. C'était un vrai héros américain. Oh, désolé, Benji. Rappel à tout le personnel. Vous avez une main en sortant de toilette. Lorsqu'un réel vous fait la main, c'est comme s'il touchait toutes les personnes que vous avez connues, y compris votre mère. Vous ne voudriez pas que vos collègues touchent votre mère, n'est-ce pas? Lavez-vous les mains.
Wow. Alex, tout va bien face à ta flux électromagnétique? Comme sur des roulettes. Aucun des types ne peut me résister. Pas sûr, Rex. Je suis quasiment imbattable à The Bishop of Battle. Doc, jouer aux jeux vidéo? Oui, Rex. Les jeux vidéo sont un bon moyen de s'occuper, comme n'importe quel autre passe-temps. Il a été prouvé qu'il favorisait la coordination œil-main, la résolution des problèmes, l'interaction sociale et la confiance en soi. Et aucune étude n'a pu établir le lien entre jeux vidéo et violence. Honnêtement, tous ceux qui sont contre les jeux vidéo sont des enfoirés. Ah. Hey, wow, wow, Doc. Non, Rex. Enfoiré signifie un être néfaste pour notre foi en les relations sociales. C'est un acronyme. Même si j'imagine qu'on est tous dans un jeu vidéo, pas vrai? Hey. Oh, c'est dur de conduire une bagnole. Oh, j'adore le discours qu'elle vient de nous donner là, darling. Vous avez entendu les enfants? Eh oui, jouer aux jeux vidéo, ça favorise plein de trucs. BOUM! Hop, vite, 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 on stag, on stag. Non. On sort, on porte nos couilles et on les nique. Bitch. Bitch. Je me laisserai pas tuer par deux rigolos. Ah mais si en fait. Ah non. Je pense que ça m'a l'air plutôt bien pour une première vidéo. Enfin deuxième vidéo du coup, épisode 2. 33 coeurs, 3 nanosports. Beaucoup plus de vie. Non, franchement ça m'a l'air parfaitement nickel. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Donc c'était Laurie, Megalodon 626. La prochaine vidéo, à mon avis, portera sur Dead Cell, l'épisode 3. Ou alors, si je peux, ou mes, si mes potes sont connectés, quelques classés d'Overwatch. Voilà, voilà. Donc, c'était Megalodon 626. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, etc. Bref, je crois que tu connais le dicton, hein, abonner, poser un petit commentaire, un petit like, et puis, etc. Pas besoin de te faire le texte, quoi. Pas besoin de te faire un dessin. Sur ce, à plus!